Bonjour les économistes, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Euh, on va parler un peu de et mais en fait, je voudrais vous introduire des nouvelles fonctionnalités de qui va vous permettre de réduire un peu la dépendance euh, envers Home Assistant en fait depuis n'importe quel front end. Et notamment, euh, en général, euh, ce que vous aimez bien faire, c'est euh, sélectionner, par exemple, des valeurs, euh, par exemple, de seuil, de tension, d'ampérage, peu importe, ou des choix. Euh, par exemple, ici, vous vous souvenez de ma vidéo sur le le mosquito killer donc vous voyez des choix qui per qui vont être envoyés en fait grâce à des input numbers des input booléens ou des input select euh, ces valeurs là de seuil vont être envoyées dans un sp32 dans home. et donc jusqu'à présent et eh bien on couplait les deux donc on définissait ces seuils ces box dans home assistant et puis dans le code Diaspium, on récupérait le contenu de ces sliders, de ces boîtes ou des choix de menus, et bien par des variables assistant Home Assistant Diaspium. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est en fait remplacer euh, ces input numbers, input et input select qui viennent de Home Assistant directement par des objets natifs à ISP Home. et donc ça va avoir pour conséquence de réduire la dépendance à Home Assistant, et notamment si il tombe, eh bien vous avez encore ces valeurs de slider puisqu'ils sont intrinsèquement définis euh, dans ISP Home, donc dans votre ESP32. Et en plus, autre avantage, c'est que euh, si vous activez l'option euh, serveur web de votre SP32 de, de SPO, eh bien, ça veut dire que vous allez avoir maintenant désormais eh bien, ces sliders ou ces menus déroulants euh, dans votre interface graphique du, du serveur web. On va commencer par euh, l'input booléen, d'accord, donc qui va être en fait directement retraduit par un template switch. Donc c'est quelque chose qui est assez simple au niveau déclaration. Dans la section switch, bah, vous définissez un template euh, ici dans la plateforme. Et puis en fait, le nom qui va apparaître dans mon Assistant, et puis l'ID qui sera utilisé dans votre bloc algorithme, pourquoi pas dans un on value, d'un capteur, dans un press d'un bouton ou d'un switch, peu importe. Et pour les définir complètement, ce qui est très important, c'est utiliser l'option Optimistic à True. Et dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin après dans la section switch de, de définir tout ce qui est turn on ou turn off. Vous voyez ça, ça représente le bloc minimum pour définir l'équivalent d'un input boolean en ESPOM. Alors pour une input numbers, il va falloir utiliser les nouveaux objets type de numbers et notamment un template numbers. Donc vous définissez numbers, vous allez dire que c'est une plateforme type de template le nom de l'entité qui va se retrouver dans Home Assistant. Donc ça va être soit un slider, physiquement, graphiquement, soit un slider, soit une boîte où vous pouvez sélectionner les valeurs. Et puis l'ID qui sera utilisé dans votre bloc algorithme, pourquoi pas, si telle ou telle valeur, de slider, etc. Je fais ou telle ou telle branche de mon algorithme vous pouvez définir des unités de mesure, un icône, valeur minimum maximum et le pas de vos valeurs qui seront sélectionnées soit par slider soit par la boîte. Et puis uh, restore value aussi pareil si vous voulez que la valeur uh, qui était préalablement sélectionnée réapparaisse à un boot de, de l'ESP. Et là vous choisissez soit c'est graphiquement, c'est un slider, soit c'est une boîte avec les flèches vers le haut et le map pour faire défiler les valeurs au travers des min max et step que vous avez définis. Alors, le, ce qui va être le plus délicat, ça va être l'input select, vous savez, cette liste déroulante. Alors, euh, généralement, c'est il y a plusieurs options dans cette liste déroulante, et vous en sélectionnez une, et ce que vous voulez, suivant l'élément que vous avez sélectionné, Ben aller dans telle ou telle, telle partie d'un bloc algorithme en fonction de, de ce choix-là. Et pour cela, il va falloir récupérer l'indice de l'option qui a été sélectionnée dans cette liste déroulante, et c'est pour cela que vous voyez une variable globale qui va être mon indice de sélection de, de ma liste, d'accord et il va être défini en type entier. Et qui paraît, euh, au démarrage, va être restauré, et une valeur initiale 0, à 0, c'est-à-dire le premier élément de la liste. Si vous voulez le deuxième, ben vous mettez 1 ici. Et la nouveauté, ça va être dans le Select ici. Donc ça ressemble beaucoup à Home Assistant. Euh, le nom de l'entité qui va être exportée dans, vers Home Assistant, MySelect. Le nom interne de, dans mon code ISP Home les euh, dans la partie option bah, toutes les chaînes de caractères qui vont apparaître euh, dans mon assistant euh, choix 1 choix 2 régulation blablabla blablabla enfin bla bla bla, ce que vous voulez c'est du blabla bla qui va apparaître dans le menu déroulant la valeur euh, de, par défaut initiale et la nouveauté, c'est que vous allez devoir mettre ça dans le on value, c'est-à-dire chaque fois que vous sélectionnez une de ces éléments-là ou un nouveau choix, et eh ben vous allez exécuter un code lambda. Donc c'est directement du code C avec deux lignes. La première, pour faire simple, ça va récupérer tous les éléments de la liste des, de, de, du menu déroulant, donc ça s'appelle des itérators. Et la deuxième, ça va aller justement calculer l'indice qui est pointé en ce moment, donc entre l'indice 0 pour le premier élément, l'indice 1 pour le deuxième et l'indice 2 pour le troisième. Et donc ça se fait comme ça en composant l'option find avec distance. Alors maintenant on va voir ce qui, ce qui se passe sur un exemple concret, pourquoi pas le mosquito killer. Donc on va retrouver euh, la partie globale qui se trouve ici, voilà. donc, Ma variable qui va aller euh, contrôler tel ou tel type d'algorithme de, de régulation, eh ben, ça sera Mosquito Régulation de Choice IDX qui sera utilisé dans la boucle de régulation générale. Donc voilà, donc je restaure les états, la valeur c'est 0 par défaut. Et puis on va retrouver la sélection euh, Select ici, voyez donc, avec tout ce que je vous ai parlé avant, avec les menus qui apparaissent ici, chaque élément des, des, de la liste déroulante, et puis vous allez retrouver, chaque fois que je sélectionne un nouvel élément de cette liste, eh ben, la récupération, le code lambda qui permet de récupérer l'indice de ces éléments, donc c'est-à-dire l'indice 0 pour, ce, pour cet élément-là, ou l'indice 1 pour cet élément-là, ou l'indice 2, etc., qui sera stocké dans euh, My, euh, Mostico, Régulation de Choice IDX Et donc, une fois que l'on a un Récupère ça par le on value, et eh ben je vais l'utiliser, voyez, dans la partie boucle de régulation là de ce code là. Mais vous pouvez le faire dans un on value de n'importe quel partie sensors, et bien vous voyez ici voilà donc si j'ai choisi l'algorithme régulation égale à 1 ah ben alors je fais quoi ben je fais ces choses là euh, sinon si je teste d'autres choses voyez bon si c'est une, une régulation avec euh, le choix 2 de, de régulation ben je fais ça etc etc donc vous voyez que l'intérêt du euh, MySelect ça permet et de, notamment de récupération de son indice ça permet ben de rentrer dans telle ou telle partie d'un code qui, je vous répète, se trouve soit dans une boucle de ré régulation générale avec euh, l'objet intervalle, soit alors dans un on value d'un capteur ou euh, ce que vous voulez, on turn on d'un switch, euh, on press d'un bouton, ce que vous voulez. Bon, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Elle est assez technique, mais elle vous présente des nouveautés espion qui, à mon avis, sont assez intéressantes.